ça aurait pu être sa dernière danse. Son public new-yorkais prêt à honorer l'artiste, sa fille Olympia aux premières loges, dans la même tenue d'apparat que sa maman et ses 400 diamants. Mais c'est comme si l'artiste Serena Williams aimait trop la scène pour l'abandonner si facilement. Cette victoire est un bonus, mais c'est bientôt le moment de s'en aller. Une décision très difficile. Ce bonus, une victoire au premier tour de cette US Open contre la Monténégrine Danka Kovinic. Serena Williams, 40 ans, a beau avoir annoncé sa retraite imminente, elle s'accroche à son trône. Elle que l'on surnomme la reine depuis des années. Ce succès a malgré tout été suivi d'une cérémonie d'hommage. Le discours le plus fort revenant à l'ancienne championne Billie Jean King. Tu n'as peur de rien. Merci pour ton leadership et ton engagement pour plus de diversité, d'équité et d'inclusion, en particulier pour les femmes et les femmes de couleur. Inspirante, Serena Williams l'est depuis plus de 20 ans, de par sa personnalité et ses succès sportifs, 23 victoires en tournoi du Grand Chelem. Je n'ai jamais pensé que j'aurais cet impact. J'étais juste une petite fille qui essayait de jouer au tennis. Et j'ai fait ce que j'ai fait de la manière la plus authentique possible. Et je pense que c'est ce que les gens ont ressenti. The Greatest, la plus grande joueuse de tennis de l'histoire, scandait le public la nuit dernière. The Greatest, surnom du boxeur Mohamed Ali. C'est aussi la une de l'iconique Time Magazine cette semaine. De quoi honorer celle qui est sans doute la plus grande championne de tous les temps.